Les Américains célèbrent jeudi 26 novembre Thanksgiving. Résident des États-Unis depuis plusieurs mois, le prince Harry et Meghan Markle ne devraient pas rater l'occasion de célébrer les fêtes de fin d'année. Selon les informations du magazine Harper's Bazaar, le couple fêtera Thanksgiving dans leur maison de Monte Quito, en Californie, avec leur fils Archie. La mère de Meghan Markle, Doria Ragland, devrait évidemment être de la partie. Ils ont prévu de savourer un repas fait maison traditionnel de Thanksgiving, avec des recettes de légumes frais issus de leur jardin, rapporte la source. Cette dernière assure que la famille est très heureuse. Ils sont très heureux. Archie grandit vite. La famille passe des heures dehors. L'année dernière, le duc et la duchesse de Sussex avaient partagé un message sur leur compte Instagram pour souhaiter une joyeuse Thanksgiving aux internautes. Ce sera leur tout premier Noël en famille dans la nouvelle villa qu'ils ont achetée en juillet. Le prince Archie, loin de la monarchie britannique, une distance avec la famille royale britannique qui ferait du mal au prince Charles, qui ne voit plus son petit fils grandir. Le prince de Galles aimait beaucoup aller à Frogmore Cottage pour voir son plus jeune petit-fils, et il est triste de ne pas l'avoir vu depuis aussi longtemps. Il a loupé tellement de son développement maintenant qu'il grandit aux États-Unis. Avec la pandémie de coronavirus qui limite les déplacements, la famille ne devrait pas se retrouver cette année.